Le feu du Saint-Esprit, oh le feu, le feu, le feu, le
le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, viens travailler en ce lieu, le feu du Saint-Esprit. Je le loue avec ma voix. Oui, je le loue, je vais le
danser. Je le loue avec ma voix. Oui, je le loue, je vais le chanter. Je le loue avec ma voix. Oh, et s'il me manque la voix. Je le loue avec mes mains. Oh, et s'il me manque la main. Je le loue avec mes pieds. Oh, et s'il me manque les pieds. Je le loue avec mon âme. Oh, et s'il me manque l'âme. C'est que je le loue là-haut. Oh, frère, et si tu manques l'âme. C'est que je le loue là-haut. Oh, et si tu manques l'âme. C'est que je le loue là-haut. Oh, et si tu manques l'âme. C'est que je le loue là-haut. Oh, et si tu manques l'âme. C'est que je le loue là-haut. Serviteur, et si tu manques l'âme. C'est que je le loue là-haut. Oh mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Oui, Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est bon, il est bon pour moi. Oh mon Dieu est bon, mon Seigneur est bon. Oui, mon Dieu est bon, mon Seigneur est bon. Oh Jésus est bon, Jésus est bon, il est bon pour moi. Alléluia, tu acclames Jésus. Clame Jésus. Tu acclames Jésus plus que ça. You clap your more than this. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, people of God. Je bénis le Seigneur pour ma vie et pour votre vie. For the life. Amen. Si aujourd'hui encore le Seigneur a permis que tu sois là, if today the Lord alors le Seigneur connaît ton cas. Il sait que the Lord know your heart. Tu as aussi un rôle à jouer. And he know that you have a role to play. Dans ce moment d'intercession également. And this moment of intercession. Et ensemble, nous allons crier encore vers l'Éternel aujourd'hui. Nous allons encore l'invoquer et nous allons encore lui confier de beaucoup de choses. We'll put at his hand many things. Et j'en suis sûr qu'il va encore nous exaucer. I'm sure that he will exauce us. Alléluia. Amen. Et comme vous le savez, and as you know, l'ennemi, the enemy, même s'il est à terre, even if he's here on the land, il ne dit jamais qu'il a tombé, qu'il est tombé. Never say that he fall down. Stand up. Mais aujourd'hui, cette soirée, but today, nous allons le piétiner et l'écraser concrètement. Alléluia. Nous allons l'effacer complètement. And raise him, complete him. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Le psaume 17, this passage, à partir de verset 13, il nous dit, starting with verse 13 tells, lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre. Come, Lord, et renverse-les. Délivre-moi du méchant par save ton glaive. Wicked, by your délivre-moi sword. Des hommes save me from par ta main. Éternel, des Lord, hommes de ce monde. What of this world? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons encore prier. Will today pray again? Car l'ennemi s'est complètement énervé contre les missionnaires. Against the missionary. Alléluia. Amen. Il s'est énervé. He is nervous. Il s'est énervé même contre vous-même. Even against you. Même contre also. Vous. Je vous dis même contre even vous. Even against you also. Deux Corinthiens 10 verset 3 à 5. Je lis au nom de Jésus. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Alléluia. Amen. Si nous marchons dans la chair, if we walk into flesh, nous ne combattons pas dans la chair. We are not struggling to the flesh. Le combat est spirituel. The battle is spiritual. Alléluia. Oui. Amen. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Alléluia. Amen. Nous avons affaire avec des esprits, we are pas avec un spirit, homme. Not a man. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Jesus, amen. Aujourd'hui, today, nous allons finir avec eux. We'll finish with them. Et maintenant, and now, pour aller affronter to go and face ce combat, le Seigneur nous dit quelque chose dans le livre de Jude 6, verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force, avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. Alléluia. Amen. La force que Jésus-Christ nous a donnée. The strength ce pouvoir the Lord que nous avons en nous.
This power we have in us. C'est avec ce pouvoir with this power, nous allons renverser tout esprit coriace qui lutte contre la vie des serviteurs et qui menace même la vie des serviteurs. Est-ce que tu es prête ou prêt pour prier? Are you ready to pray? Tu vas prier. You pray. Tu vas dire Seigneur. You say, Lord, tout projet de mort. Any plan ou of tout death, plan de mort. Any plan of death, que l'ennemi a déjà planifié that was sur la vie de tes serviteurs. For the life of your servant. Seigneur, Lord, ta parole déclare your word declares que that le pouvoir the power est sous ma langue. Is under my j'ai reçu ce pouvoir received this power de toi. From you. Seigneur, par ce pouvoir Lord, que tu m'as donné, this power you have given to me, je déchire ce décret. I destroy it, et je renverse maintenant ce décret qui a été pris. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Tu élèves ta voix, tu pries au nom de Jésus. You raise your voice and pray pray au nom de Jésus. Pray in the name of Jesus. Prie au nom puissant de Jésus. You pray in the powerful name tout of Jesus. Décret de mort any decree for death, qui a été pris sur la vie des serviteurs. Nous le déchirons au nom de Jésus-Christ. Que les signes de que ce décret soit déchiré. Nous déchirons le décret de mort au nom de Jésus. Nous révoquons le décret de mort. Tout décret de mort planifié. Tout décret de mort déjà rédigé. Tous force de mort déjà rédigée, déjà creusée contre la vie des serviteurs, contre la vie des missionnaires. Seigneur, je déchire ce réclame. Je déchire ce réclame. Je déchire ce réclame. Je révoque ces réclame. Je renverse ces réclame. Prie de Jésus. Prie de Jésus. Prie comme un soldat, prie comme un soldat. Faut pas murmurer. Invoque l'Éternel. Crie vers l'Éternel. Crie lui. Appelle-le, 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 Seigneur. Tu appelles le Seigneur. Tu cries vers le Seigneur. Tu appelles le Seigneur. Il va t'écouter. Quand il nous écoute toujours, le lundi dernier, on l'a invoqué. Il nous a exaucé. Aujourd'hui, il veut nous entendre également pour nous exaucer. Prie. Tout décret de mort soit révoqué. Tout décret de mort soit révoqué. Nous révoquons le décret de mort. Nous révoquons le décret de mort. Nous la révoquons maintenant. Nous la révoquons maintenant. Nous la révoquons. 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 Nous la révoquons maintenant. Tout décret de mort. Tout décret de mort qui a été pris par la puissance du Saint-Esprit. Parce que le pouvoir est sous ma langue. Parce que l'autorité est sous ma langue. Parce que la force est sous ma langue. Et ce que je déclare, le ciel le confirme en même temps. Ce que je proclame ou ce que je déclare, le ciel le sauce automatiquement. Car c'est le ciel qui parle à travers moi. C'est Jésus-Christ qui parle à travers moi. C'est le lion de la tribu de Juda qui parle à travers moi. C'est le roi des rois qui parle à travers moi. À l'instant présent, tout décret de mort, tout plan de mort, tout projet de mort, contre la vie des serviteurs, contre la vie des missionnaires, nous les révoquons au nom de Jésus. 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 Que cette déclaration soit déchirée maintenant. Je déchire cette déclaration de Jésus. Je déchire cette déclaration. Ce décret de mort que le monde des ténèbres a rédigé, ce décret de mort, ce bilan de mort, ce plan de mort, ce plan de mort qu'il a déjà fait,
par la puissance du Saint-Esprit. Je les déchire un à un. 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 Nous les retirons maintenant. Nous les révoquons maintenant. Nous les déchirons maintenant. Nous les révoquons maintenant. Nous les déchirons maintenant. Je les déchire. Tu l'as déchiré, tu l'as déchiré, tu l'as déchiré. Nous 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 l'as déchiré. Au nom de Jésus, nous avons prié. In the name of Jesus, we pray. Bien-aimé. Beloved. Quand il s'agit de l'ennemi. For what concerning. Prenons autorité contre l'ennemi. Authority against him. Et endossez l'ennemi. And doit-elle et ordonner l'ennemi. And command, yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons encore prier. We pray again. Toujours la même requête. With the et cette request. Fois-ci, nous allons appeler le nom de chaque serviteur ou le nom de chaque missionnaire en mission. Or each missionary et ce décret qui a été déjà rédigé contre la vie. This crowd, nous allons les révoquer un à un. We'll call them nous allons les déchirer one. Un à un. And we'll et nous allons one. Appeler le nom de chaque we'll serviteur. Tu appelles le nom d'un serviteur. You call the name of one servant. Et tu prends autorité. And take authority. Et tu décrètes. And you declare. Tout décret de mort. You declare death. Tout décret de mort. And declare contre death. Sa vie. Against life. Contre sa famille. Against family. Contre ses enfants. Against children. Soit révoqué au nom be de Jésus. Destroyed in the name of Jesus. Prions au nom puissant de Jésus. Pray like that in the name of the power. Prie. Tu pries avec autorité. Tu pries avec fermeté. Pray with firmness. Et tout homme qui s'élève. Tu pries avec puissance. Pray with power. Tu lui montres que tu as une force en toi. You show that you have une force qui dépasse sa force. Montre-lui que tu as une puissance en toi. Show that you have a power. Une puissance qui dépasse sa puissance. More than his power. Oui, Jésus l'a promis, tout a forgé contre toi. Sera nul et sans effet. Tu pries. Tout homme qui s'élève en justice. Tu pries au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Éternel, mon Dieu, Dieu de vengeance. Lord, my God, God of revenge. Seigneur, Lord, tu as dit nous allons nous faire. Et que toi, le Dieu des armées, et tu combattras pour nous. Seigneur Jésus, je prie maintenant. I pray now. Je prie à l'instant. Car tu as dit à toi la vengeance et à toi la rétribution. Seigneur, je prie maintenant que toute âme ou tout projet de mort que l'ennemi a formé contre la vie de tes serviteurs, contre la vie de tes missionnaires, que tu as envoyé en mission au Togo, Seigneur. Lord, je revoque les décrets. Tout plan de mort. Ou tout plan de mort. Formé contre la vie de serviteur Jean Garcien. Par la puissance du Saint-Esprit. Je déchire ces décrets maintenant. Je revoque ces décrets. J'annule ces décrets. Ces décrets de mort. Je les annule maintenant. Seigneur, je les annule. Je les annule. Je les annule. Seigneur Jésus, tu as vaincu la mort. Et tu lui as encore posé la question. And you ask the question. Tu lui as posé la question. Ask him the question. Mort. Yes. Où est ton pouvoir? Where is your power? Mort. Yes. Où est ton aiguillon? Where is your la mort power? N'a plus de pouvoir. The death has no power. La mort n'a plus de puissance. The death has no power. La mort n'a plus de puissance. The death has no power. La mort n'a plus d'aiguillon. The death has no power. Donc la mort ne pourra rien contre ses serviteurs. The death cannot do anything. La mort ne pourra rien contre tes serviteurs. So the death can't do anything against your servant. Aucun projet de mort. Aucun projet de mort. Ne descend pas sur la vie. La mort n'a plus de puissance sur la vie. Seigneur Jésus, je prie. Comme tout projet de mort, formé contre tes serviteurs, apôtre Paul, je saisis cette tête de la main et je le revoque.
de Jésus. Je déchire ce décret maintenant. Je déchire ce décret. Je revêtis ce décret. Je prie également. Tout décret de mort. Tout plan de mort. Tout plan de mort. Planifié contre ton serviteur, prophète Élie. Seigneur Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par ce pouvoir que tu m'as donné, je revoque maintenant ce plan. J'annule ce plan. J'annule ce projet. Je prie également. Tout projet de mort que j'ai formé sur la vie de ton serviteur Silas, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, je le révoque maintenant. Je le déchire maintenant. Je le révoque maintenant. Je le déchire maintenant. Je le révoque maintenant. Je le déchire maintenant. Je prie également, Seigneur. Seigneur, je prie. Tâche de ta parole. Que la puissance, le pouvoir est sous ma langue. Seigneur, ce pouvoir qui est sous ma langue. Avec ce pouvoir, je vais en donner à la mort. Je vais en donner à la mort. De ce temps. Et il doit se taire. Seigneur, Lord, je prie pour ton serviteur Apollos. Tout projet de mort, formé contre sa vie. Tout plan de mort, déjà planifié contre sa vie. Par la puissance du Saint-Esprit, je déchire ce décret. Je révoque ce décret. J'annule ce décret. Je le révoque au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ton serviteur. Prophète Étienne, tout projet de mort déjà rédigé contre lui, je les annule le nom de Jésus. Je les annule maintenant. Je les annule maintenant. Je les révoque maintenant. Je les révoque maintenant. Je prie également, Seigneur. Seigneur, pour ton serviteur, mon frère Israël, Seigneur, ton projet de mort. Déjà formé comme sa vie. Nous les révoquons. Nous les annulons. Nous les révoquons maintenant. Je prie également, Seigneur. Pour tes ouvriers. Pour tes ouvriers. Le cadre Paul. Le cadre Paul. Et pour ton enfant. Pour ton ouvrier. Le cadre Amok, le cameraman Amok, et pour ta servante, for your servant, ou pour tes servantes, oh for your servant, notre maman Esther, our mom, notre sœur Abigail, our sister Abigail, Seigneur Jésus, Lord Jesus, tout projet de mort, any project of death, contre la vie, nous les révoquons de Jésus, cancer de mener mort Jesus, tout plan de mort, any plan of death, planifié pour la vie. Plan against the life. Par la puissance du Saint-Esprit, the Holy Spirit, nous la révoquons au nom de Jésus. Nous la déchirons de Jésus. Je révoque au nom de Jésus. Je révoque au nom de Jésus. Je révoque au nom de Jésus. Je la déchire maintenant. Seigneur Jésus, tout projet, any project, tout projet de mort contre la vie de la famille, against the life of the family, tout projet de mort, any project of death, contre la famille, against the family, Seigneur, Lord, par sa puissance, by your power, nous la révoquons, nous la déchirons, nous la révoquons, nous la déchirons. Nous la déchirons. Nous la révoquons. Nous la déchirons. Nous la déchirons. Nous la révoquons. Nous la révoquons. Nous la déchirons. La mort n'a plus de pouvoir. Death has no power. La main n'a plus de pouvoir. Death has no power. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. You pray, you pray, you pray. Le Seigneur écoute ta voix. Lord, he listens your voice. Le Seigneur t'entend. Lord is hearing you. Le Seigneur t'entend. Lord is hearing you. Prie, 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 prie. You pray, you pray, you pray, you pray. Prie, 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 prie. Prie au nom de Jésus. Pray in the name of Jesus. Prie au nom de Jésus. You pray in the name of Jesus. Prie au nom de Jésus. You pray in the name of Jesus. Prie au nom de Jésus. Pray in the name of Jesus. Prie au nom de Jésus. Pray in the name of Jesus. Prie au nom de Jésus. Pray in the name of Jesus. Prie au nom de Jésus. You pray in the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. In the name of Jesus, we pray. Comme la parole déclare. And what God says. Que la vie également est sous nos langues. Life is also under our tongue. Nous allons proclamer la vie sur la vie. We proclaim the life on their life. Alléluia. Amen.
La mort est revoquée. The death le is cancelled. Annulé. The plan is le projet est renversé. The project is also. Alléluia. Amen. Maintenant. But now. Nous allons proclamer la vie sur eux. Proclaim the life. Comme le roi David pouvait dire. As King David could say. Seigneur. Lord. Je ne mourrai pas. I will not die. Mais je vivrai. But I will live. Alléluia. Amen. Nous allons proclamer la vie sur eux. We proclaim the life on them. Afin qu'ils tiennent ferme. So that they could hold firm. Dans la mission. Into the assignment. Bien aimé. Beloved. Cette fois-ci, il s'agit de la proclamation. Now it's a question of proclamation. Il s'agit de la proclamation. It's a question of proclamation. Et nous allons proclamer. Now we proclaim. Et le ciel doit valider. The heaven will accept it. Est-ce que tu es prêt pour proclamer? Are you ready to proclaim? Nous allons proclamer la vie sur eux. We proclaim the life on them. Et comme ce que nous venons de faire tout à l'heure, and what we are yet done, nous allons encore appeler le nom de toutes deux. The name et tu sais chacun d'eux. Alléluia. Amen. Et tu vas dire, tu ne mourras pas. And we say you will not die. Mais tu vivras. You will live. Afin de pouvoir live. Annoncer toujours l'évangile. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie maintenant, papa. Lord, I pray now. Seigneur, tu as dit. Lord, you say, la vie et la mort sont sous ma langue. Life and death is under my tongue. Ce pouvoir est sous ma langue. Power is under my tongue. Et pourquoi je prie maintenant, Seigneur? That's why I pray now, Lord. Pour tes serviteurs. For your servants. Seigneur, je proclame sur la vie maintenant. Proclaim on the life. Je proclame sur la vie. I proclaim on the life. Je proclame sur la vie. I proclaim on the life. Je proclame sur la vie de Jacques, de l'évêque Jacques Gracien. I proclaim the life of Jacques. Je proclame sur la vie de l'évêque Jacques Gracien maintenant. I proclaim the life. Et je proclame la vie maintenant dans Jésus. Je proclame la vie. Je proclame la vie. I proclaim life. Je proclame la vie. I proclaim le monde des ténèbres a proclamé la mort. The world of darkness. Ce que j'ai renversé maintenant. Ce qui a été déchiré. Maintenant je prends témoin. Now, la terre, le ciel, heaven, et tout ce qui s'y trouve. Et je proclame de la vie sur les âmes. Je proclame de la vie. Et je dis maintenant, serviteur Jean Gracien, tu ne mourras pas, mais tu vivras afin de pouvoir continuer toujours avec la mission. Prie, prie, prie. Prie, 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 prie. Je prie. Je prie. Je prie. Je prie. Tu proclames. Tu proclames. Tu proclames. Oh, je ne te veux pas proclamer. Je ne te veux pas proclamer. Faut proclamer. Le ciel doit entendre. Afin de pouvoir valider. Le ciel doit entendre. Afin de pouvoir valider. Le ciel doit t'acheter. Il doit sceller cela. Le ciel doit sceller. Le ciel doit sceller. Le ciel t'entend. Pour sceller cette requête, il veut sceller cette proclamation. To seal this proclamation. La vie sont cachées. Nous le déclarons. Le ciel veut sceller. Tu proclames la vie. Tu proclames la vie. Seigneur Jésus, je proclame sur la vie de serviteur Élie. Sur la vie de serviteur prophète Élie. Je déclare, serviteur prophète Élie, tu ne mourras pas, mais tu vivras afin de pouvoir continuer à servir le Seigneur. Je proclame sur sa vie maintenant. Et le ciel attend maintenant. Et le ciel est scellé maintenant au nom de Jésus. Et cette proclamation est scellée au nom de Jésus. Cette proclamation est cachée au nom de Jésus. Je prie pour le serviteur de l'Éternel. Je prie pour le serviteur. Apôtre Paul, je déclare sur ta vie que tu ne mourras pas, mais tu vivras afin de pouvoir continuer toujours avec la mission de l'Éternel. Et je proclame sur ta vie le nom de Jésus. Et cela est scellé le nom de Jésus. Cela est scellé par le Saint, le Tout-Puissant nom de Jésus. Je proclame sur la vie du serviteur. Dans tes silences, je déclare et je proclame. Que tu ne mourras pas de tes silences. Mais tu vivras. Afin de pouvoir continuer avec la mission. Continue la mission.
la vie sans cacher. Je proclame cela maintenant. Et cela est scellé par le Tout-Puissant. Cela est scellé par le Dieu des armées. Parce qu'il est le roi des rois. Il est le Tout-Puissant. Il est le détenteur de la clé de la mort. Il est le détenteur de la clé de la vie. Il détient la clé de la vie. Avec qui of life. Nous le proclamons, il ne vaut. Je proclame sur ta vie, serviteur. Pasteur Apollos. Je proclame sur ta vie. Je déclare. Que tu ne mourras pas. I will not die. Mais tu vivras. Afin de pouvoir continuer toujours dans la mission. Et que tout décret de mort sur ta vie a été déjà révoqué. De cette mort, alléluia, la vie sont cachées en Jésus. Nous le déclarons. Je proclame sur la vie du serviteur prophète Étienne. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit. Je crie vers l'Éternel avec une gorge déployée. Je crie et je déclare que tu ne mourras pas. Mais que tu vivras afin de pouvoir continuer toujours avec la mission auquel le Seigneur t'a mandaté. Je prie pour les serviteurs, pour les ouvriers, Jacques Israël, le cadre Paul, le cameraman Paul, le cadre Amok, le cameraman Amok, et le serviteur Daniel également. Le serviteur Daniel. Vous ne mourrez pas. You will not die. Mais vous allez vivre. Vous allez toujours vivre. You will live. Afin de pouvoir conduire avec la mission. Auquel le Seigneur vous a mandaté. The Lord has mandated you. La vie sont cachée. Je prie également. I pray also. Pour les servantes de l'Éternel. For the servant of the Lord. Notre maman Esther. My mom. Et la sœur Abigail. And my sister Abigail. Que tout projet de mort sur votre vie est révoqué. Et maintenant nous proclamons. And we proclaim. Réformons la vie. Life. Nous proclamons la vie. We proclaim life. Nous le déclarons qu'ils ne mourront point de cette mort. Non, non, la vie sont cachées. Nous le proclamons qu'ils ne mourront point de cette mort. Non, non, la vie sont cachées. Nous le décrétons qu'ils ne mourront point. Je prie également. I pray also. Pour la vie du serviteur prophète Gédéon. For the life of prophet Gédéon. Que tout projet de mort. Any project of death. Déjà formé contre ta vie. Form against your life. Déjà révoqué. It's cancelled. Et dès présent. And now. Dès à présent. From now. Nous proclamons la vie. We proclaim life. Nous proclamons la vie. Proclaim life. Tu ne mourras pas. You will not die. Mais tu vivras. You will live. Afin de pouvoir continuer avec la mission de l'Éternel. Continue with the assignment of the Lord. De cette mort, dès maintenant, recevez la vie maintenant de Jésus. Vous recevez la vie maintenant. Vous recevez la vie maintenant. Vous recevez la vie maintenant. Vous recevez la vie. Toutes les enfants de Dieu, Togo, reçoivent la vie. Vous ne mourrez pas. Nous le décrétons, ils ne mourront point de cette mort. Mais vous allez vivre afin de pouvoir servir le Seigneur. Serve Lord. De cette mort, la vie sont cachées. Nous proclame. De cette mort, la vie sont cachées. Nous le proclamons. Ils ne mourront point. De cette mort, la vie sont cachées. Nous le proclamons. Ils ne mourront point. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. In the powerful name of Jesus, we pray. Amen. Amen. La même requête continue toujours. The same request continue. Prenons les requêtes au sérieux. Take it seriously, please. Alléluia. Amen. Prenons les requêtes au sérieux. Let's take it seriously. Puisque ce n'est pas de l'amusement. Because we are not joking with it. L'esprit. The spirit. A dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Said something that interests me, Lord. Il a dit. The spirit says. Qu'il, c'est-à-dire, il a fait aussi un plan. He make a plan. Pour
les enfants ou pour l'enfant de l'homme de Dieu, le vrai Jean Gratien. For the child of man of God, evangelist. Alléluia. Jean Gratien. Amen. Et on lui a demandé pourquoi. And they asked him why. Et il a répondu, il a dit que the answer, he says, c'est parce que l'enfant est doté d'une étoile brillante. Because he has a brilliant star. Donc lui aussi il est menacé de mort. So he also is threatened of death. Nous allons encore prier pour toute la famille. That's why we pray for all the family of servants. Que tout projet de mort, any project of death, déjà planifié, planned against them, contre les femmes, against their wives, leurs enfants, against their children, leurs mamans, their mom, leurs papas, their dad, soit révoqué. Be canceled. Et maintenant nous allons proclamer la vie. And I will proclaim life. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Like tu pries, tu pries avec force. You pray with your, with tu pries avec force. You pray powerfully. Prie avec force. You pray powerfully. Prie avec force. You pray powerfully. La vie sont cachés, nous le proclamons qu'ils ne mourront point de cette mort. La vie sont cachés, nous le proclamons qu'ils ne mourront point de cette mort. La vie sont cachés, nous le proclamons qu'ils ne mourront point de cette mort. La vie sont cachés, nous le déclarons qu'ils ne mourront point de cette mort. La vie sont cachés en Jésus. Nous le déclarons qu'ils ne mourront point de cette mort. La vie sont cachés en Jésus. Nous le proclamons qu'ils ne mourront point de cette mort. La vie sont cachés en Jésus. Nous le proclamons qu'ils ne mourront point de cette mort. La vie sont cachés en Jésus. Contre les enfants, les hommes de Dieu. Contre les femmes. Contre les familles. Contre les parents. Soit révoqué au nom de Jésus. Et nous proclamons la vie pour eux maintenant. We proclaim life for them. Qui ressemble maintenant la vie au nom de Jésus. Qui ressemble maintenant la vie au nom de Jésus. Il ressemble la vie au nom de Jésus. Il ressemble 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 au nom de Jésus. Ressent la vie. Recevez la vie. Recevez la vie. Recevez la vie. On recevait la vie. La vie s'implante dans leur foyer. La vie s'implante dans la vie de cette mort. La vie s'implante dans la vie de leur épouse. La vie s'implante dans leur ministère. La vie est implantée dans leur ministère. La vie est implantée dans le cœur de leurs enfants, de leur épouse. Nous semons la vie. La vie semée produit la vie. C'est ce que nous semons ce soir. Le ciel a validé. Le ciel a validé au nom de Jésus. Ça a été validé. Selon Matthieu 18:18. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. La Bible déclare dans le livre de Somme 10, à partir du verset 15, il dit, Seigneur, brise le bras du méchant, punis ses iniquités, punish his iniquities, et qu'il disparaisse and de tes yeux. Disappear at your eyes. Alléluia. Amen. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, we pray and say, Lord, comme ta parole déclare ici, word I declare it, Seigneur, Lord, brise le bras des méchants. Break the arm of the wicked one. Que tout persécuteur, any persecutor, tout méchant, any wicked, alléluia, amen, tous ceux qui persécutent ce réveil, all those who are persecuting this revival, ou qui persécutent la vie des serviteurs, are working against, qui menacent la vie des serviteurs. Seigneur, brise les bras au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Persécuteurs, brise les bras, brise les bras, brise les bras. Brise les bras au nom de Jésus-Christ. Seigneur, brise les bras des persécuteurs. Que les bras soient brisés maintenant. Brisons-les.
Seigneur, que les bras soient brisés, Seigneur Jésus. Seigneur, que les bras soient brisés. 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 Seigneur, brise les bras. 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 Seigneur, Jésus, brise les bras. Seigneur, brise les bras maintenant. Seigneur, Jésus, brise les bras maintenant. Seigneur, brise les bras maintenant. Seigneur, Jésus, brise les bras. Brise les bras. Brise les bras, brise les bras maintenant. Seigneur, brise les bras maintenant. Seigneur, que les bras soient brisés maintenant. Seigneur, brise les bras. Que les bras soient brisés maintenant. Que les bras soient brisés maintenant. Que les bras soient brisés, Seigneur. Seigneur, brise les bras des prisonniers. Seigneur, brise les bras. Brise les bras des persécuteurs. Seigneur, tu brises les bras. Seigneur, tu brises les bras. Brise les bras des persécuteurs, des méchants. Tu brises les bras, Seigneur. Tous ceux qui sont à leur trou. Seigneur, tu brises les bras maintenant. Les esprits familiers de la sorcellerie à leur trou. Et les bras brisés au nom de Jésus. Brise leurs bras, Seigneur. Les bras qu'ils vont lever soient brisés. Les yeux qu'ils vont ouvrir soient crevés. Leur langue qu'ils vont, avec laquelle vos paroles soient fondues dans leur paroi buccale. Seigneur, paralyse-les. Paralyse-les, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Il est écrit dans le livre de 2 Timothée 4, verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre, mauvaise. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume. Alléluia. Tu vas dire que toutes mauvaises œuvres que l'ennemi est en train de planifier contre la vie et ses serviteurs, contre les missionnaires, soit révoqué au nom de Jésus. Que toutes ces œuvres soient anéanties au nom de Jésus. Tu pries avec autorité au nom puissant de Jésus. Prie au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je prie maintenant. Que toute œuvre, toute mauvaise œuvre, que l'ennemi planifie pour la vie, que l'ennemi a été de lancer contre la vie, Seigneur, par ta puissance, Seigneur, nous les anéantissons maintenant. Nous les anéantissons maintenant. Nous les annulons maintenant. Nous les annulons. Nous les annulons. Toute mauvaise œuvre, Seigneur. Contre la vie des serviteurs. Contre la vie. Seigneur, pour ta puissance. Nous la révoquons au nom de Jésus. Nous la révoquons maintenant. Nous la déchirons maintenant. Nous les anéantissons. Nous les anéantissons. Nous les anéantissons. Nous les anéantissons. Nous la révoquons. Nous les anéantissons. 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 Nous les anéantissons maintenant. Toute attaque que l'ennemi fasse lancer contre la vie. Que toute attaque au limite lance contre la vie. Soit annulée sans effet au nom de Jésus. Seigneur, ta parole de cœur. Formez des projets. Et tout sera annulé. Seigneur, je prie. Que toute attaque contre la vie. Que toute attaque au limite lance contre la vie. Toute attaque contre les missionnaires. Toute attaque contre la mission. Tout est contre le feu du réveil au Togo. Seigneur, nous les annulons de Jésus. Nous les révoquons de Jésus. Nous les anéantissons. Nous les déclarons nuls sans effet. Nous les déclarons nuls sans effet. Nous les déclarons sans effet. Nous les déclarons sans effet. Nous les déclarons sans effet. Ces attaques sont sans effet. Ces attaques tombent maintenant de Jésus. Ces attaques tombent maintenant. Ces attaques tombent maintenant. Toute attaque que le monde est ténèbre a déjà lancé comme la vie. Seigneur, ces attaques tombent maintenant. Ces attaques tombent maintenant. Ces attaques tombent maintenant. Nous les révoquons. Nous les annulons. Nous les annulons. Nous les annulons. Nous les déchirons. Nous les révoquons. 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 Nous les révoquons.
Leurs projets sont sans effet au nom de Jésus. Nous avons proclamé, ça sera accompli. Proclamation se réalise selon Matthieu 18, 18. Notre proclamation sont accomplies au nom de Jésus. Leurs projets sont nuls et sans effet. Au nom de Jésus. Leurs projets sont sans effet. Le Seigneur Jésus intervient. Renversé. Déclaré, ça s'accomplit. Déclaré, cela s'accomplit. Parlez, ouvrez la bouche, ça s'accomplit. Détruis-les. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ le roi, détruis-les. Tout projet formé contre la mission. Au nom de Jésus, leurs projets sont nuls. Les projets sont nuls. Leurs projets sont sans effet. Tout projet formé contre les servants. Tout projet formé contre les servants. Au nom de Jésus. Détruis-les. Tout esprit de soumission. Un esprit qui gouverne au Togo. Seigneur, ta parole déclare. Quand la mention de ton nom, tout genou fléchit devant toi. Dans les cieux. Sur la terre, et sur la terre, Seigneur, par ta parole, nous déclarons maintenant que tout esprit orgueilleux, tout esprit qui contrôle la ville de Togo, tout esprit qui a pris le pays Togo dans sa main, Seigneur, qui fléchit de nous maintenant, qui fléchit chez nous maintenant, au nom de Jésus, qui fléchit chez nous maintenant, au nom de Jésus, qui fléchit chez nous maintenant, au nom de Jésus, qui fléchit chez nous maintenant, au nom de Jésus, qui fléchit chez nous, 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 au nom de Jésus, qui fléchit chez nous maintenant, au nom de Jésus, tout esprit de soumission, tout esprit de soumission, esprit de rébellion, tout esprit de rébellion, au nom de Jésus, qui a pris la vie des stades. Le Seigneur de Dieu au Togo. Oui. Seigneur, je prie maintenant. Seigneur, qui soit soumis à ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Qui soit soumis maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Qui soit soumis. 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 Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Seigneur. Seigneur Jésus. Rien ne peut résister devant toi. Rien. Devant toi. Rien. Aucun esprit ne peut jamais résister. Rien, rien. Devant toi, tout genou fléché. Tout genou fléché. Dans les cieux. Sur la terre. Et sous la terre. Et sous la terre. Au nom de Jésus. Aucun esprit. Au nom de Jésus. Aucun petit esprit. Au nom de Jésus. Ne peut jamais résister à ta parole. Je proclame, Seigneur. Tout esprit de soumission Togo. Tout esprit orgueilleux Togo. Oui. Qui soit soumis à toi. Au nom de Jésus. Qui soit soumis à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Qui soit soumis. Au nom de Jésus. Qui soit soumis à toi. Qui se soumet à toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'esprit de rebelle. La rébellion est détruite. La rébellion est détruite. Les esprits rebelles sont soumis. Au nom de Jésus. C'est le qui est écrit. Au nom de Jésus. Tout genou fléchis. Sur la terre, dans les cieux, sous la terre. Alors ces rebelles sont soumis. Ces rebelles sont soumis au nom de Jésus. Tous les esprits de la rébellion qui malmènent la ville, de le pays, la nation togolaise, nous les soumettons, nous les assujettissons,
C'est l'autorité de cet esprit au nom de Jésus. Derrière tout démon, sauve Jésus Christ. Au nom de Jésus. Soldat de Jésus Christ. Oui. Soldat Christ. Soldat Christ. Prions, 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 prions. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, nous prions. Ils sont détruits. Ils sont saccagés. Ils sont vaincus. La rébellion est détruite au tombeau. Tu pries également, tu dis Seigneur. Tout ce qui a déjà servi dans l'église. Oui. Cet esprit orgueilleux. Cet esprit méchant. Tout ce qu'il a déjà semé dans l'église, Jésus revient, Togo, pour tout ce qui semera, Seigneur, par ta puissance, nous envoie le feu devant nous maintenant. Au nom de Jésus. Que le feu la consume maintenant. Au nom de Jésus. Que le feu la consume maintenant. Au nom de Jésus. Le feu devant la cabane. Au nom de Jésus. Le feu devant la consume maintenant. Au nom de Jésus. Le feu la consume maintenant. Au nom de Jésus. Le feu la consume maintenant. Au nom de Jésus. Le feu la consume maintenant. Au nom de Jésus. Le feu la consume maintenant. Au nom de Jésus. Que le feu la consomme. Au nom de Jésus. Que le feu maintenant. Au nom de Jésus. Feu maintenant. 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 Le feu consume la semence. Semé de la sorcellerie, des esprits marins de nuit, semé dans les églises, les cellules, Jésus revient. Le feu les prend. Le feu les consume. Au nom de Jésus, le feu les consume. Le feu les dévore. Le feu de Dieu les localise et les dévore. Selon que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, il ne peut pas se cacher. Les talons sont brisés, les nattes consumées, les bouteilles brisées, les cadenas saccagés. Tout argent envoyé contre les missionnaires, tout esprit envoyé contre la mission, tout envoyé contre les missionnaires. Les montagnes, les montagnes qui ont abrité les semences de la sorcellerie sont visitées par la colère de Dieu. Le feu de la colère de Dieu les visite maintenant. Les arbres dans lesquels, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout ce que l'esprit attend, anything that the spirit is waiting for, il attend l'établissement de l'église. He is waiting for the establishment of the church. Et le départ des serviteurs. And the departure et lui, of the servant. Il viendra. And he will come. Renverser tout encore. So et il a dit, refort. And he tell it loudly. Alléluia. Il a dit qu'il va les combattre. He fight them. Il va les combattre avec rigueur. With rigors. Ta prière. Your prayer. Tu vas dire Seigneur. We say Lord. Tout esprit coriace. Any hard spirit. Tout esprit gouverneur. Any governor spirit. Et qui a pris le pays en otage. That take the country into et slavery. Qui combat les enfants de Dieu. The children of God. Seigneur, par ta puissance. By your power. Qui pète les batailles maintenant. Let them lose their power. Qui pète les batailles maintenant. Et lève ta voix, tu pries au nom de Jésus-Christ Nazareth. Prie, il perd les batailles maintenant. Il perd les batailles maintenant, mon Jésus. Il perd les batailles maintenant. Il perd les batailles maintenant, mon Jésus. Il perd les pouvoirs maintenant. Il perd les forces maintenant. Il perd les pouvoirs. Tout esprit méchant. Tout esprit méchant, Seigneur Jésus. Wicked spirit. Qui combat la vie des enfants de Dieu. Combat la vie. The life of qui combat ton église. Et qui attend l'établissement de l'église. And we waiting for the afin de pouvoir les renverser encore. So that we overthrow them again. Seigneur, je prends autorité contre lui. Je prie maintenant. I pray now. Qui perd sa bataille maintenant. That he lose qui perd sa force maintenant. That he lose strength. Qui perd son pouvoir maintenant. Power now.
On leur crève les yeux. On les paralyse. On leur casse le tympan. On les frappe d'aveuglement. Tous ces esprits méchants qui ont ce projet d'attaquer l'église après le départ des serviteurs. Il perd sa force. Il faut leur crever les yeux. Il perd son pouvoir. Frapper les gens d'aveuglement. Il perd son pouvoir. Toi, esprit gouverneur. Toi qui gouverne. Nous ne verrons plus. Toi qui commandes les serviteurs de Togo. Toi qui commandes les serviteurs de Togo. Aujourd'hui, tu perds ton pouvoir maintenant. Aujourd'hui, tu perds ta force maintenant. Tu n'as plus de force. Tous les esprits méchants qui désirent attaquer les églises. Jésus revient au Togo. Ils sont frappés d'aveuglement. Ils ne verront plus. Sauf frappé d'aveuglement et de la paralysie. Vous, esprit méchant, qui avez mission d'attaquer l'église après le départ des serviteurs de Dieu, je vous frappe d'aveuglement. À l'instant, je prie. Now, I pray. Je prie. De paralysie. Je prie. Quand tu veux. Dès à présent. Now. Vous avez perdu votre force. Vous avez perdu votre pouvoir. Et vous êtes frappé avec le monde. Dans la parole déclare, au nom de Jésus. Voici le plein. Pour le Dieu vous frappera. Vous serez vivant. Mais vos langues brûlera dans votre bouche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous serez vivant. You will be alive. Et vos yeux brûlent dans ses orbites. Au nom de Jésus. Je prie maintenant. Que cela soit ainsi. Au nom de Jésus. Je prie maintenant. Oui. Que cela soit par le ciel. Au nom de Jésus. Esprit méchant au Togo. Je vous menace. Au nom de Jésus. Je vous menace. Au nom de Jésus. Vous êtes menacé. Au nom de Jésus. Vous, esprit méchant au Togo. Oui. Vous êtes menacé. Au nom de Jésus. Vous êtes menacé. Au nom de Jésus. Vous êtes menacé. Au nom de Jésus. Dès maintenant, vous lâchez de la vie de Dieu au Togo. Vous lâchez la vie des enfants de Dieu au Togo. Au nom de Jésus. Vous lâchez la vie maintenant. 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 Vous avez perdu votre pouvoir. Vos pouvoirs. Vous avez perdu votre force. Vous avez perdu votre autorité. Parce que Jésus-Christ est le roi des rois. Désormais, c'est Jésus-Christ qui règne au Togo. From now, Jésus-Christ a pris à Togo. Le Togo a mis. Jésus-Christ a pris Togo à main. Et c'est lui qui gouverne désormais. Toi, es-tu méchant? Qui s'est dit gouverner au Togo? Aujourd'hui, ta mission prophète. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, ta mission prophète. Au nom de Jésus. Aujourd'hui. Ta mission prophète. Tout argent envoyé contre tes serviteurs. Tu as fini avec ta mission. Parce que Jésus-Christ a pris le pays en main. Jésus-Christ a pris le pays dans ses mains. Il a dit sa parole. Mes yeux partout la terre. Toute la terre appartient à Jésus. Tout ce qui s'y trouve appartient à Jésus. Togo appartient à Jésus. Togo belong to him. Tout argent envoyé contre tes serviteurs. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, toute la nation togolaise est dédiée à Jésus-Christ. La nation togolaise devient la propriété privée de Jésus-Christ. Nous proclamons haut et fort que la nation togolaise est devenue la propriété privée de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, c'est la vérité. Au nom de Jésus, nous avons prié. The name of Jesus, we pray. Bien aimé, si tu es là. Beloved, are you there? Alléluia. Amen. Quelqu'un est là? Is somebody there? Si un soldat qui est là. He is a soldier. Voilà Jésus. Alléluia. Nous allons encore prier. We'll pray again. Contre la séparation. Again division. Alléluia. L'ennemi prépare. Enemy is preparing, planning. Encore beaucoup again, de choses. Many things. Alléluia. Amen.
Toi, actuellement, il prépare encore une séparation, une division. Et il a dit ça hier. And I told it yesterday. Bien avant hier. Before yesterday. La foi donnant l'intercession, le Seigneur a révélé cela. The Lord has revealed it. On était parti à une cellule sur la cellule de Calavi. We went to a cellule. Le Seigneur a encore révélé cela. And the Lord revealed it again. Et hier. And yesterday. L'Esprit aussi a dit. The Spirit also says. Il a tout fait. He made all the call. Pour mettre encore de division, to put de division, séparation separation entre les serviteurs. Between servants of God. Mais ça ne marche pas. But it worked not. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'il veut faire maintenant? What's going to do? Il veut encore séparer prophète Élie des serviteurs. Prophète Élie. Jean, il veut juste créer quelque chose qui est de séparation. So that there could be separation. Parce qu'il voit qu'ensemble, ils sont forts. See, together they are strong. Tu vas prier, toi, du Seigneur. That's why you pray and say, Lord, quel que soit whatever it is, le plan, the plan de division. Of division. Quelle que soit la division, la séparation qu'il prépare, the plan of separation that he preparing. Tu nous as déjà révélé cela. You have revealed it yet et tu veux que nous prions sur ça. And want us to pray, Seigneur, on it, Lord. Nous anéantissons cela, notre Jésus. We cancel it. Ce plan de séparation, de division, qu'il est en train de former actuellement, that is forming now. Seigneur, Lord, nous l'annulons maintenant. We cancel it. Nom de Jésus. Nous le revoquons maintenant. Au nom de Jésus. Nous l'anéantissons maintenant. Au nom de Jésus. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, tous ces projets, les projets de division, les projets de division, ces projets de division, nous les annulons. Il nous a révélé, nous l'annulons. Tous les projets de division, les manigances, ce que l'ennemi fait dans l'œuvre. Les détruisons. Ces programmes de séparation des serviteurs. De la du mensonge. De la division. Nous les annulons au nom de Jésus. Ces stratégies de division. Des serviteurs de Dieu. La division dans l'église. Nous détruisons cela. Les âmes que l'ennemi veut utiliser pour diviser les serviteurs. Nous les cachons dans le sang de Jésus. L'ennemi ne les verra pas. Nous refusons cela. Les projets, ces stratégies de division, de la haine, de la séparation. Nous refusons cela. Nous annulons cela. Leurs décrets sont annulés. Nous les étouffons dans l'œuvre. Ils sont étouffés dans l'œuvre. Ils sont étouffés dans l'œuvre. Le Seigneur nous a unis. Ils sont étouffés. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de division. Tu es sûr de Jésus. Ennemi, tu es échoué. Au nom de Jésus. Sur ce plan de séparation, tu as échoué. Sur ce plan de division, tu as échoué. Tu as échoué. Échec. Nous proclamons échec pour toi. Au nom de Jésus. Nous proclamons échec pour ton projet. Échec pour ton projet. Au nom de Jésus. Échec pour ton projet. Au nom de Jésus. Échoué. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier. We'll pray again. Il a dit. He said. Cette fois-ci. Now. Il a tout fait, mais il n'arrive pas. He do what he could, but he. Parce que nous sommes tout en chaud. He come not. Alléluia. Because we are hot every time. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il va dire? But what he said? Il a dit. He said. Qu'il va envoyer des démons en chair. That he send flesh demons. Dans la maison des serviteurs, des hommes de Dieu. To the house of servants, man of God. Dans la maison des enfants de Dieu, dans l'église même. To the house of servants of God and children of God into the church. Alléluia. Also. Beaucoup. Many. Peut ne pas croire ça.
could mais nous, nous believe croyons, not nous croyons to à it, ça. But we believe to it. Alléluia. Amen. Il a dit, il va le faire. He has said it, donc c'est do à it. Nous de ne pas laisser assez. But we will make a barrier against Alléluia. The project. C'est à nous d'être vigilants. We have to be vigilant. Et faites beaucoup attention. And pay attention. Ceux avec qui vous collaborez. Those with whom ou ceux you que vous recevez dans vos maisons. Relationship or you faites beaucoup attention house, avec eux. Pay attention with them. Il a dit he said qu'il va utiliser même les enfants, les petits-enfants. Alléluia. Il a dit lui, ses enfants. Qui va envoyer ça, il va envoyer ses enfants dans les églises, dans les maisons des hommes de Dieu, into the houses of pour pouvoir finir avec eux. So to finish with them. Parce qu'il sait, because he knows, s'il s'attaque à leur famille, because when he attack their family, je ne sais pas, peut-être il croit, peut-être maybe ça va les décourager ou pas, je ne sais pas. Discourage them. I don't know. Lui-même sait qu'il a déjà échoué. He know that he failed. Mais il a dit qu'il va that envoyer des démons en chair. He will send flesh demons. Donc faites même beaucoup attention à tous ceux à qui nous prions. Pay attention to all those. Alléluia. To whom we pray. Si tu pries, if you pray à quelqu'un, to somebody, tu invoques le Seigneur. You call upon the Lord. Si le Seigneur répond amen. If the Lord s'il ne répond pas amen, amen, la personne aussi prend son chemin, tu prends ton chemin. Amen also. Alléluia. Amen. Mais quand tu te forces, when you tu te forces, force yourself, tu te forces, you tu force yourself. C'est-à-dire le Seigneur doit les libérer. Le Seigneur doit les délivrer. Un démon en chair, a flesh demon, il va beaucoup, c'est-à-dire il va prendre tout ton temps. He will take all your time. Alléluia. Il va te détourner de la prière. He will make you go astray. Il va te fatiguer. He will tire you. Parce qu'il sait. Because, si know, tu es fatigué, if you are tired, tu ne pourras plus prier. You will not be able to pray again. Alléluia. Donc sachez qu'il y a des démons en chair. So know that there is flesh demons. Et en aucun cas, and in any condition, on ne pourra rien pour eux. We could do nothing to them. Alléluia. Amen. On ne pourra rien pour eux. We could do nothing to them. Donc faut pas laisser un démon en chair. Don't let a flesh demon. Faut pas consacrer. Do not take ton all your moment, time tout ton temps sur un démon en chair qui ne peut pas être délivré that could not be delivered parce que lui il a reçu une mission spéciale, une mission spéciale contre ta vie against your life, juste pour voler ta vie de prière afin de pouvoir semer dans ta famille ou afin de pouvoir semer quelque chose en toi. Your family or to sow something in you. Donc nous allons prier. So we have to nous pray allons dire Seigneur and say, Lord, toi qui sommes les cœurs, tu sommes les reins. You will probe. Toi seul, tu connais les démons en chair. Nous ne les connaissons pas. You know flesh demon, but nous ne les connaissons pas. Alléluia. Nous ne les connaissons pas. We don't know them. Mais but nous savons que tu es un Dieu. We know that you are God. Qui dévoile tout. Who reveal Seigneur Jésus. Lord Jesus, à n'importe moment at où un démon en chair that demon of flesh demons va vouloir we'll see travailler contre ma vie. Oh, we try to walk in my Seigneur, Lord, dévoile. Reveal him. Qu'il soit dévoilé. So that he could be revealed. Alléluia. Amen. Tu vas dire Seigneur. You say, Lord, quel que soit le démon en chair is flesh demon, qui va tenter d'envoyer contre ma vie try to send against ou contre my life, la vie des hommes de Dieu, against the life contre la vie des serviteurs, qu'il soit dévoilé au nom de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il soit dévoilé, qu'il soit dévoilé. Tout démon en chair qui va envoyer de l'église, tout démon en chair qui va envoyer dans l'église de la maison des hommes de Dieu. Tout de mon cher envoyé.
Tout démon ancien que le monde a envoyé dans la maison des hommes de Dieu, dans l'église de Dieu, qui soit dévoilé de Jésus. Qui soit dévoilé, qui soit dévoilé, que le Seigneur l'espoir publiquement, qui soit imposé publiquement, qui soit exposé publiquement, qui soit exposé publiquement, Jésus des valets, tout des valets, qui soit exposé publiquement, qui soit exposé, The following week, ou bien cette semaine, la semaine prochaine. Following week, bon, cette semaine, ils vont finir avec la mission. This week, they will finish with the assignment au Togo Sud. At Togo South. Et ils vont entamer la route maintenant pour and le Togo Nord. Road for Togo North. Et le monde des ténèbres, il a déjà préparé beaucoup de choses également. Il a dit qu'il a déjà envoyé, il a déjà préparé 5 de ses missionnaires qui les attendent là-bas. 5 of his missionaries waiting for them there. Il a préparé 5 démons en chair qui les attendent là-bas. 5 flesh demons waiting for them there. Qui sont 7, je crois. They are 7, I think. Ou bien 13. Oh, quelqu'un peut parler. Something like Alléluia. Donc il y a 5 qui les attendent là-bas. 5 of them waiting for Nous allons them. Dire Seigneur. We say Lord. Nous ne connaissons pas Kara. We don't know Kara. Mais toi, tu connais Kara. But you know Kara. Et Kara t'appartient. And Kara belongs to you. Raison pour laquelle, Seigneur. That's why. Nous prions que tu nettoies d'abord le terrain. That you sweep the clean, le terrain de tes serviteurs. Nettoie, balaye le terrain de Jésus. Sweep. Prions au nom puissant de Jésus Nazareth. Pray. Nous confions le Kara, Seigneur l'Éternel. Que le terrain soit balayé au nom de Jésus. Commence à balayer, Seigneur. Seigneur, balaye la ville de Kara, Seigneur. Balaye la ville de Kara, Seigneur. The city of Kara. Que les démons en chair reçoivent une pluie d'abeilles. Qu'une pluie d'abeilles s'abatte sur ces démons en chair. Qu'ils soient à Kara. Quel que soit leur nombre. Seigneur, frappe-les de pluie d'abeilles. Tout démon en chair. Ou tout esprit méchant qui les attend là-bas. Ils vont tomber dans leur propre fosse. Tout n'a pas déjà préparé pour les hommes de Dieu là-bas. Qui tombe dans leur propre parole de Jésus. Ce n'est pas aux hommes de Dieu qu'ils ont préparé cela. Mais c'est à eux-mêmes. Seigneur, tout est sur méchant sur ce terrain. Seigneur, balaye le terrain de Jésus. Au nom de Jésus. Nettoie le terrain, Seigneur Jésus. Nettoie le terrain, Seigneur. Nettoie le terrain. Seigneur, nettoie le terrain. Nettoie le terrain, Seigneur. Nettoie le terrain. Que le terrain soit nettoyé. Nettoie le terrain. Que le terrain soit nettoyé. Nettoie le terrain. Que le terrain soit nettoyé. Que le terrain soit nettoyé. Seigneur, que le terrain soit nettoyé. Pray. Merci Jésus. Combats. Merci Jésus. Jésus-Christ est sans. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, nettoie le terrain. Seigneur, nettoie le terrain. Que le terrain soit nettoyé. Nettoie le terrain maintenant.
Que le terrain soit nettoyé, Seigneur Jésus. Que le terrain, Seigneur Jésus. Que le terrain soit nettoyé. Nettoie le terrain, Seigneur Jésus. Seigneur, aplanis nos yeux. Nettoie le terrain, Seigneur. Seigneur, nettoie le terrain, Seigneur. Nettoie le terrain de Caran, Seigneur. Suis le flé. Que tous les démons, les esprits méchants soient foudroyés par la colère de Dieu. Que la colère de Dieu la foudroie sur le terrain, Caran. Seigneur, nettoie le terrain, Seigneur. Oh Jésus, nettoie le terrain. Merci Jésus. De tout projet que l'ennemi a déjà de former contre ce programme sur Kara. Ce projet qu'il a déjà formé sur le réveil. This project form against the revival. Dans la vie de Kara. Into the city of Kara. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Que ce projet soit anéanti. Au nom de Jésus. Let it be. Que ce projet soit anéanti le Jésus. Que ce projet soit anéanti le Jésus. Que ce projet maintenant. Nous anéantissons ce projet. Que ce projet soit anéanti. Ce projet soit anéanti maintenant. Nous anéantissons ce projet. Nous les anéantissons. Au nom de Jésus. Nous les revoquons. Au nom de Jésus. Anéanti. Tout projet qu'il a été de famer. Anéanti. Tout projet qu'il a été de famer. Révoqué. Parce qu'il sait que. Le Seigneur veut prendre la vie de Tara en otage. Le Seigneur veut nettoyer la vie de Tara. Le Seigneur veut faire beaucoup de choses à Tara. Le Seigneur Jésus, il fait tout. Il fait tout. Pour mettre ce programme à l'eau. Mais il ne pourra pas. Parce que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Merci Jésus. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Merci Jésus. Jésus-Christ est vivant. Jésus est vivant. Prie au Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Merci Jésus. Oh Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Jesus Christ the Lord. Merci Jésus Seigneur. Christ est ton nom, Seigneur. Jesus Christ your name. Jésus Christ. Le vaillant guerrier, le vainqueur. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Merci Jésus. Jésus Christ, tu es fort dans le combat. Jésus Christ. Tu as pas fondé le battle, Jesus Christ. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Jesus Christ, you are Lord. Merci Seigneur Jésus. Jésus, tu es Seigneur. Jesus Christ, you are Lord. Jésus, tu es Seigneur. Jesus La parole de cadre lit de Somme 20. What of God, the book of Psalm 20. Il dit, ceux-ci s'appuient sur les chats, ceux-là sur les chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel des armées. Nous invoquons le nom de notre Seigneur Dieu. Lord God. Et il prie. Et il tombe. Et nous nous tenons fermes. Et nous nous restons debout. Bien-aimés, nous nous sommes debout. Nous allons prier. Parce que nous avons Jésus-Christ. Nous avons Seigneur des Seigneurs. Nous avons le roi des rois. King of kings. Les ennemis, les démons. Enemies, demons. Et ils s'appuient sur ce qu'ils ont. What they have. Mais nous nous appuyons sur Jésus-Christ. We hold on Jesus Christ. Les missionnaires s'appuient sur Jésus-Christ. Missionaries hold on Jesus Christ. C'est pourquoi nous avons demandé au Seigneur Jésus. That's why we ask Seigneur, fortifie-les. Strengthen them. Fortifie-les, Seigneur. Fortifie tes serviteurs. Donne la force. Fortifie tes serviteurs. Pour de pouvoir parcourir. Fortifie tes servantes. Toutes les cellules. All the cellules. Toutes les cellules, ou tous tes enfants, fortifie tes serviteurs, qui ont adhéré à ce revêche, fortifie tes servantes, Seigneur, donne la force, fortifie la délégation, Seigneur, donne la force, fortifie la délégation, Seigneur, tu es roi, fortifie les membres de la délégation, Jésus-Christ, tu es Seigneur, fortifie les, tu es le roi des rois, fortifie les, Seigneur, tu es roi, fortifie les, Seigneur, tu es roi, Lord, you are King, Jésus, tu es roi, Seigneur, tu es roi. Tu es le roi des rois. Seigneur, tu es roi.
Tu es le roi, Seigneur. Et la parole que Jésus dit, l'Éternel sauve ton roi. Merci, Seigneur. Seigneur, sauve tes serviteurs. Sauve tes serviteurs. Seigneur, exauce tes serviteurs. Exauce tes serviteurs, Seigneur. Seigneur, exauce tes serviteurs. Accepte les prières, Lord. Seigneur, fortifie-les. Merci, Jésus. Seigneur, il doit rester debout. Il doit rester debout. Fortifie-les. Ferme. Jusqu'à la fin. Fortifie-les, Seigneur. Il doit rester debout. Au point. Au toc. At the best conditions. Apte. Jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Seigneur, fortifie-les. Au nom de Jésus. Seigneur, fortifie-les. Seigneur, fortifie-les. Seigneur, fortifie-les. Seigneur, fortifie-les. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas lever ta voix, tu vas remercier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, merci pour ce combat de cette soirée. Thank Lord for the Seigneur, merci pour la victoire. Of tonight. Et nous allons demander au chef de nous conduire dans un moment de louange pour la victoire. Parce que le Seigneur nous a exaucés. Parce qu'il nous a écoutés. Il dit, voici. J'entends vos supplications. I hear your supplication. J'entends vos cris. I hear your voice. Et je vois vos larmes. And I see your et je vous exauce. And I exauce you. Et je vous ai exaucé. And I've exaucé le Seigneur nous a exaucé. The Lord has exaucé us. Le Seigneur a écouté nos voix. The Lord has accepted et il our nous a voice. Exaucé. Yeah, he hear our le Seigneur voice t'a exaucé. The Lord has exaucé you. À qui la victoire? À nous la victoire. Peuple de Dieu, à qui la victoire? À nous la victoire. Oh, à qui la victoire? À nous la victoire. Serviteur, à qui la victoire? À nous la victoire. Élu, à qui la victoire? À nous la victoire. Acheté, à qui la victoire? À nous la victoire. Oh, à qui la victoire? Nous avons la foi en Jésus-Christ, à nous la victoire. Oh, à qui la victoire, car nous avons la foi en Jésus-Christ, à nous la victoire. Et Dieu, à qui la victoire, à nous la victoire. Oh, à qui la victoire, on profite, on donne les enfants en même temps. Ouvrier, à qui la victoire, à nous la victoire. Acheté, à qui la victoire? À nous la victoire. Choisi, à qui la victoire? À nous la victoire. Oh, à qui la victoire? Car nous avons la foi en Jésus-Christ. À nous la victoire. Oh, à qui la victoire? Car nous avons la foi en Jésus-Christ. À nous la victoire. Oh, à qui la victoire? Nous avons la foi en Jésus-Christ. À nous la victoire. À qui la victoire? À nous la victoire. Acheté, à qui la victoire? À nous la victoire. Serviteur, à qui la victoire? À nous la victoire. À qui la victoire? À nous la victoire. À qui la victoire? À nous la victoire. À qui la victoire? Nous avons la foi en Jésus-Christ, à nous la victoire. À qui la victoire? Nous avons la foi en Jésus-Christ, à nous la victoire. À qui la victoire? Nous avons la foi en Jésus-Christ, à nous la victoire. À qui la victoire? Nous avons la foi en Jésus-Christ, à nous la victoire. Louez, 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 louez.